Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 3. On se retrouve donc pour la suite de la campagne avec le nouveau patch majeur qui est sorti le 27 mars du coup. Et qui concerne du coup un gros refonte, on va dire, un petit peu de la partie un petit peu multijoueur, de la partie skin aussi du jeu, où vous pouvez désormais effectivement acheter avec de l'argent, pas de la monnaie interne au jeu, mais bien de l'argent, des skins. Voilà, je pensais que ça ne se faisait plus trop ce genre de choses, ou rarement, bon bah ça se fait encore. Et sinon, ce gros premier patch corrige tellement de choses, mais vraiment tellement de choses, alors que les petits patchs d'avant ont corrigé aussi, que je vais absolument pas les lister, je les ai lus en diagonale, mais il y a trop de choses, beaucoup trop de choses, donc on va juste continuer notre partie, hein, on va pas trop, voilà, se prendre la tête. Officiellement, on nous vend encore une IA qui devrait être encore un peu plus agressive sur la campagne. On verra. On verra, de toute façon. Là, on était... J'avais normalement, je crois, absolument tout fait. Et je devais juste mettre fin au tour. Voilà. Je préfère mettre fin au tour, effectivement. Au début des nouveaux épisodes, plutôt qu'à la fin, si je le peux. Ok, donc le bateau qui se déplace, parfait. Ok, donc ils peuvent bien m'attaquer ces bateaux-là. Ok, parfait. Bon, maintenant j'en ai le cœur net, comme on dit. Bon. Ah oui, puis c'est bien, ça a un petit peu bugué du coup les textes de description là qu'on peut voir. Ah bah ouais, super les gars, bien joué. Ah, il est bien le nouveau patch. Bon, c'est pas grave. Et du coup ça c'est de la batterie côtière. Ok, bah alors dans ce cas-là, on va plutôt revenir ici. Et on va le réparer. Voilà. De toute façon, on n'a pas assez de munitions pour bombarder, donc on ne peut pas le faire. Pareil, hein, on va les réparer aussi, eux, parce qu'ils en ont bien besoin. Et on va pas tarder d'aller capturer ça. Là, on va pas tarder d'aller capturer ça. Dans quel état est notre avion surtout? Ça c'était la question que je me posais. Ah, c'est chiant, on a une caisse de munitions ici, mais j'ai personne pour aller la récupérer. Ah, par contre, on peut améliorer les dépôts de production. Oh, de munitions, pardon. Ok, bah ça c'est bien. Ça je vais le faire. Les soins prodigués par les compagnies à proximité, ouais, débloqués. Aussi les soins passifs des compagnies en garnison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, tiens? Ah bah ça, je veux bien. Sauf que j'ai pas bien vu la différence en vrai, mais... Elle est contente, ok. Très bien. Si vous le dites. Si c'est pareil, avec ça, on peut aller infliger des dégâts? J'avoue que j'ai un peu de mal à...
Bah, ce sera peut-être au tour d'après. Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Donc, je sais qu'elle est contente. Bon, bah, on va dire que c'est bon. Peut-être à la fin du tour hein, qu'ils vont aller le faire. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc là, on pourrait améliorer la production de carburant. Ouais, bof. Ouais, en fait, les dépôts de munitions, on n'en a pas beaucoup. Hein. Si on en a ici, on va l'améliorer. Ça me semble assez important. Ouais, eux, je voudrais vraiment les finir. Si c'est possible. Eh ben, je vois pas le message. En approche de l'aérodrome allemand, devrions le capturer. Cela nous donnera une longueur d'avance pour passer la ligne. Ok. Bah là, ouais. Mais déjà, je voudrais terminer eux sur une petite escarmouche, si c'est possible. The Bosch are losing ground. Down to 200. Ok. All right. We need to capture and hold this area, then take out any reinforcements the crowd send our way. Lance-flamme. We've got the initiative, but they've got a strong defensive position. We're taking that position. Établir l'avantage de territoire. Ok. Le bishop immédiatement, c'est possible. La petite mitrailleuse aussi, parce que c'est toujours pratique. J'ai refait du fusillé, mais on n'a pas assez de manpower. Enfin, d'effectifs. Pareil. Let's go! Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Ça on va aller le faire tout de suite. Ça, on y va. Ok, Bishop on le laisse là, hein. Il a une énorme portée, on va pas aller se prendre la tête. Ouais, apparemment il y a des mines, ouais. Oh la vache, bon. Fuyez. Bah ouais, je veux bien désamorcer les mines, hein, mais. Sans problème même. Non, je me suis trompé. Voilà aussi les descriptions, elles ont pris cher. J'espère que c'est pas la sauvegarde qui a pris parce que c'est un peu moche quand même. Il va me falloir une autre troupe du génie du coup. Et là, alors ça va être dur à savoir, mais écoute. On va bombarder ce point-là, c'est gratos, ça fait de l'expérience. C'est eux qui ont les 3 points. Non, ils ont pas les 3 points principaux. Pourquoi il y a du 3 étoiles rouges hein? On va y aller petit à petit, hein. The Bosch are pushing hard. We're down to 250 points. Sappers report, eyes open, guns up. MG ready. We're taking on your that feet. Position.
Alors. Ah, qu'ils sont chiants avec ces ordres quand. Ok, donc on va se mettre là en position, hop. Et avec lui, on va bombarder par là. Eux et eux vont aller se planquer là derrière. Oh mais qu'est-ce qu'elle a fait la mitraillette, punaise. Oui bah barrez-vous hein. Ouf. Voilà. Ça c'est fait. Eux, une petite grenade et puis ils vont fuir aussi hein. Ah, c'est pas si simple celui-là. Surtout qu'il faut que. Est-ce qu'il les enlève ou pas les. Ouais, et... Ah oui, mais c'est lance-flammes, ceux-là, je suis bête. Hop. Ouais, défense sur le terrain, oui. You're the boss. We are losing territory. You have orders. Oh, fuck me! He's gone! Ok. Eux, ils perdent pas beaucoup de points là. Et voilà, terminé.
Je vais attendre le Sherman. Je pense qu'on va prendre Sheros là. Fuir hein. Je les avais pas avec moi, mince. Algérie. Losing a capture point. We have our order. Move on. We have the edge, gentlemen. Push the advantage. There is only victory. The enemy has claimed a sector. The machine gun is gone. We're making progress. The enemy is down to 200 points. Marching is what we do. Consider it done. There is all it is for us. Gurkha rifle section ready and waiting. Always, I don't want to hear a fucking word. Alors, est-ce que je peux vendre mon petit Sherman? Bah non. Ah oui, bah oui, j'ai eu une chute d'effectif parce que j'ai renvoyé tout ce petit monde. Eh oui. Alors, ok, pardon, je parle pas beaucoup, mais je suis un peu concentré comme toujours hein, sur ce genre de petite mission. Hop, on va aller. Non, c'est trop tard, non, c'est trop tard. Voilà, ici. Oh, c'est bon. On va renverser. Je pense qu'on a bien renversé la situation. J'aurais même pas le temps d'appeler mon char. Ça aurait été très urbain comme combat. On a même pas le plaisir de voir un bombardement sur eux. Mais mission accomplie, c'est le plus important. Avec un peu de chance, je pense qu'on va la détruire. Voilà, parfait.
Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Point d'action. Ouais, j'arrive pas à avoir des trucs foufous, mais c'est peut-être moi, hein. On voit ce qu'ils ont foutu avec les traductions. Bref. Ouais, pourquoi pas un petit char léger en vrai. La section garde-à-pied, je l'ai jamais prise, donc on va tester voir ce que ça donne, tiens. Pour aller demander comme ça. Avec eux, qu'est-ce qu'on aurait de plus? Le placement d'obusier, ouais, bof. Détachement de soldats. D'accord, c'est pas mal, mais effectivement, faut vraiment que la cible soit vraiment à portée. On n'a pas assez de munitions pour faire du bombardement, très bien. Là, on a l'infanterie mécanisée ici. D'accord. Les avions, tiens. On a bien besoin. Si je voulais faire un bombardement. Non, je vais pas en faire pour le moment, on va rester sage. Alors ici, enfin on y est. The fire at the supply depot has been dealt with, sir. Much of the facility was destroyed, but we were able to salvage additional resources. Ok. Oui, bah je connais, ça c'est bon. Pas peine de me le dire à chaque fois. Est-ce qu'on tente le bombardement? Juste sur eux. J'ai envie de le tenter. J'espère que ça va les détruire. Même pas. Oh, et puis l'autre qui désapprouve. Ouais, bah tant pis. C'est la guerre, c'est comme ça. Bon, avec eux, va falloir reprendre un petit peu le chemin là, va falloir aller très sérieusement par là. Et en marche hein, pour aller plus loin. Allez, en marche, c'est parti. On est chez nous, donc on prend la peine de se déplacer plus vite. Et on met fin au tour. On va bien voir ce qui se passe. Et on a une attaque ennemie ici. Donc on a quoi? Des barrages d'obus et bombardements. Et eux ils sont compagnie Panzer allemand. Ouais, rien que ça quoi. Ok. Let's go! J'aurais peut-être pu la faire en résolution auto celle-là. Mais bon. Ce n'est pas grave. All right, men. We may be on the defense, but that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. We go head into the location.
not had orders in yonks. Now we're talking. Flamethrower. Heavy machine gun has been deployed for you. The weasel's in the bread bin, gents. Say no more. Come on, ladies, while we're young, let's take some ground. Alors la compagnie mitrailleur, on va la ramener là. Bishop artillery carrier and crew on standby. We have the point. Attention, you wakers will march. Shoot back, you bastard. Banner down. Right, that means you. Infantry section trained and ready. Je sais pas ce qu'il y a par là, mais on va tenter un bombardement. Allez, faut les terminer. Encore une fois, hein, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a là-bas, si même il y a quelque chose. Ah bah oui, forcément la base. Rifles have been brought up to the front. Allez, on rebombarde là-bas parce que c'est sympa. Bim. Dommage. Allez hop, ça dégage. Voilà en plus. On va les harceler, hein, ça c'est clair. Out, boys. Come
company command wants their post here. Et on ira probablement par ici. On débarrasse rapidement. Anti-tank crews are on standby for orders. Royal Engineers, yeah? Stow that gear, boys. We're going. Hey, T-Gun, you got orders? On est que je sais pas trop où ils sont. Present and accounted for. Oi, gear up and move on that point. Command has issued order. Taking the territory. Aye, we're ready. Come on, lads, there's work to be done. New orders. Oh bah c'est bon, on est bon là. Sappers receiving. Those buggers want our attention. We're standing by. I want the beggars are threatening a fuel point. Oh wait, we're all tore up. Taking fire. Allez les gars. Voilà. Capture point is being overrun. Goka rifle section ready and waiting. Ouais, parce que du coup je sais pas trop surveiller ce qui se passait ici. Sector lost. Repeat. Sector lost. You have orders, then get to it. Light machine guns are on the way, brother. Repli. Alors là il y avait une mitraillette mais je pense qu'elle a bougé. Pas si sûr hein. C'est bon, balancer juste les grenades. Là, donc là on est pas mal. Ça c'est bon, là il me faut absolument des troupes, hein. Ouais c'est bon, j'en ai. Il faut que je reprenne tout ça. Ouais,
Et malheureusement, je n'ai pas de ressources suffisantes pour le moment. Si ça y est, pour un blindé, j'en ai une. Ok, donc on va aller pouvoir reprendre tout ça. Voilà, ça, ça va les calmer bien comme il faut. Le char va faire le nécessaire, voilà. Qui c'est qu'on a d'autre dans le coin là? Ah oui, c'est vrai qu'il faut annuler les premiers ordres. Venez là. Voilà. On va prendre ce point là. En attendant, on va s'occuper d'eux. Et voilà, pris un sandwich. Et on devrait être pas mal. On va se préparer un minimum quand même, hein. Donc je vais faire pareil, hein. Allez là les gars. Attention parce que ouais, ils reviennent quand même à la charge. J'avais oublié que j'avais la mitraillette ici.
Allez, il me faut le char là-bas, vite, vite, vite. Ah ça oui, ça j'y attendais peut-être pas. Regarde, y a un chasseur de chars là-bas. Ça devrait le faire en termes de durée. Allez, on est bon. Bon ben voilà. On est pas mal là. Enfin, on va attendre que le tour termine. Je ferai des batailles auto pour le reste, hein, j'ai pas le choix parce que l'épisode va être trop long. Voilà. Prochain épisode, on pourra attaquer cette mission là. Là, je vais être obligé de faire une résolution auto. On a fait une défaite, très bien. Bon, on va dire que c'est le jeu, hein. C'est pas très grave, hein, en soi. Elle est où cette unité qui se balade? Elle est là. Je vais peut-être juste faire ça quand même. J'ai acheté cette unité là, mais par contre... Ouais bah elle va pas arriver tout de suite, hein, de toute façon. Bon, elle va pas arriver tout de suite, c'est pas grave, on va mettre fin à l'épisode ici. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur les jeux du Cine pour la suite de cette longue campagne sur Company of Heroes 3. Merci pour votre fidélité, à bientôt.